етап читання перед диктором. Якщо ти впевнений в правильності свого читання після диктора, почни читати перед диктором. На паузу тут вже не натискати. Якщо все виходить бездоганно, поздоровляю, текст ти підкорив. Отже, приступаємо до читання тексту перед диктором. Des surprises en cinquième A. Quand Léo, Alex et Julien arrivent dans la salle 18, le professeur est déjà là, c'est Monsieur Racine. Le cours commence. D'abord, on regarde votre emploi du temps, dit Monsieur Racine. Mais Léo n'écoute pas. Il pense à Mehdi. Tout à coup, paf, une boulette de papier tombe sur sa table. Léo lit. Qui a écrit ce papier? Je sais maintenant d'où je connais Julien de la télé. C'est un acteur qui a joué dans un film à la télé samedi. On regarde sur Internet cet après-midi. Léo regarde le nouveau qui a l'air timide. Lui, un acteur? C'est une blague. Mais paf! Encore une boulette sur sa table. Léo Pirou. Qu'est-ce que c'est ce papier que tu as dans ta main? Demande tout à coup Monsieur Racine. C'est un papier que je vais mettre à la poubelle. Puis le cours continue. À midi, Alex et Léo vont à la cantine où ils retrouvent Marie et Midi. Vous savez qui est dans notre classe. Alors, écoutez bien. Le nouveau Julien Aldon
joue. Dans un film. C'est cool. Non? On dit ça aux autres? On va parler avec Julien après le repas. Alex et Léo n'ont pas cours. Ils vont au CDI et cherchent des informations sur Internet. Alex écrit Acteur et Aldon. Et voilà. Il y a des résultats. Regarde ces photos. Léo. C'est Julien? Non. Il ressemble vraiment à Julien. Mais d'abord, ce garçon s'appelle Tristan, pas Julien. Et puis, il est né en 2000. En 2000, ce n'est pas possible. Alors, Julien n'est pas cette star de cinéma. Zut! J'ai l'air bête maintenant.